aujourd'hui, c'est petite session crampons. Vous le savez, j'ai trop... Enfin non, vous le savez pas en fait. J'ai trop envie de me mettre au cross, donc j'ai prévu prochainement de faire plus de terrain, d'apprendre à mieux gérer mes sauts et tout. Donc ça, c'est personnel. En fait, j'ai juste envie d'avoir plus de skills complémentaires par rapport au stunt. J'ai pas envie de rester que sur le bitume et j'ai vraiment envie d'exploiter un peu des autres horizons. Donc ce sera trial, ce sera piste. Mais là, la première chose, c'est le cross. Et voilà, je commence petit. Mais je pense que petit, il y a déjà bien moyen d'apprendre des trucs, de se faire peur, de se faire mal. Donc moi, je préfère toujours y aller gentiment, voilà. Quitte à avoir l'air ridicule sur les terrains, voilà. Tu vois, je croise des gens, je m'en fous, tu vois, genre... Y'a quoi là? J'ai des rois à rien, je te fais frotter la bête, quoi. J'ai pas honte. On va être là pour s'amuser, pour passer notre journée, pour se salir. Faudrait tomber, de toute façon, hein, mais j'arrive pas à le dire, vraiment. Faudra tomber, tu vois, genre... tomber. Lequel? Là, le gros, là. T'es atterri comme ça, quoi. Ah. Je crois que j'apprenne le frein arrière en saut. En vrai, j'aimerais trop, vas-y, partir sur l'arrière et tu sais, mettre le frein arrière et flac, comme ils font les pros. Mais genre que ce soit naturel, genre là j'y pense pas du tout, je sais pas. Pour moi cette moto elle décolle pas en fait, tout simplement. C'est impossible que je sois en l'air avec. Vas-y, je recommence. Vas-y. J'aime trop. Essaye de freiner. Ouais, grave. Tuto frein arrière de... en l'air. Ça a marché? Là j'ai vraiment freiné, j'ai l'impression qu'elle est pas... J'ai l'impression qu'elle est parvenue en avant. Ouais, j'ai vu que ça freinait. Il s'est rien passé. J'ai pas vu que ça redescendait. Il s'est rien passé du tout. Peut-être que la roue arrière là-dessus, c'est pas assez grand, du coup ça marche pas. Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est pas assez d'inertie, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi sur le CRF70 on peut pas s'entraîner à faire des assiettes Hein? J'ai envie de réessayer quand même. Peut-être que c'était mon corps aussi que je dois participer. Non, normalement tu fais que freiner, je crois. Je sais pas. Hein. Mais déjà, je suis pas un peu trop sur l'arrière. J'ai pas fait gaffe à ça. Et peut-être du coup ça fait que l'équilibre de toute façon il est pas là, peut-être, et peut-être faudrait que je refreine. Enfin peut-être faudrait que je sois plus sur le point de balance, tu vois, je sais pas. Ouais, fais pas un front flip non plus, tu vois. C'est pas... Non, faut surtout pas prendre le frein avant, je pense. Non, non. Non, faut pas que j'y pense parce que moi dès que je pense à un frein, je le prends direct. Ça a trop marché là. Ouais, ouais, là ça a grave marché. Et là j'ai vraiment pensé à faire à bien debout et à freiner, clac. Et là, ça allait tout seul. Ça fait les bras, hein, quand même. Ah ouais? Et là, c'est une 70, mais c'est mon niveau, je crois. C'est bien, hein. Je kiffe trop, par contre, merde. Très bien, cette bosse, pour commencer. Ouais, j'avoue, c'est bien. Parce que j'ai trop peur, tu sais, des bosses qui ont des creux au milieu, là. Non, mais c'est bien, la petite bosse avec le plat. Tu vois, t'as la sécurité, t'as pas le trou où tu peux te manger la réception à l'envers, là, tu vois. Moi, c'est ça qui me fait peur sur les terrains de cross, tu vois. J'ai jamais osé arriver à fond. Je me suis dit, putain, mais t'imagines, tu te prends ça de face, là, mais t'es mort, quoi. Et du coup, là, faudrait que je fasse l'inverse. Faudrait que j'essaie de partir vers l'avant et de réaccélérer pour me remettre d'aplomb. C'est une autre histoire, là. Déjà, comment tu te mets sur l'avant? Faut couper les gaz au moment où tu le mets, que ça t'envoie. Je sais pas faire, moi. Seb Bouissou, monsieur FMX, il m'a expliqué que, genre, quand tu décolles, par exemple, un FMX, il coupe les gaz au moment où il décolle, tu vois. Enfin, ouais, du coup, ça leur met un petit coup. Ils coupent les gaz, ils mettent des gaz, mais au dernier moment, genre, ils coupent et, genre, tuc, ça les ramène devant, tu vois. J'ai pas trop sur l'avant, là. J'ai un petit gaz, t'as vu? Ça m'a fait trop bizarre de remettre gaz quand j'étais en l'air, quand j'étais là. Bah normalement quand tu pars en avant tu le fais, là je sais pas trop en avant mais je vais faire quand même, tu sais. J'ai raterri, je savais même plus où j'étais, quoi. Ouais, okay. T'es genre dans le... Dans l'arbre limite, quoi. Vous savez, je suis habillée... T'as un joli survêt, j'allais le dire. Wesh de la campagne, là. Avec le survêt VO, viticulture onologique, mais de la Drôme. Quoi, le vin de la Drôme? La Drôme, yeyey. L'Ermitage. L'Ermitage, bah c'est l'Ardèche, je crois, là. Là tu t'es vraiment battu, quoi, tu l'as mais violé, quoi, en l'air. Mais je jouais avec l'assiette, en fait, c'est trop bien. Genre tu l'as tiré dans tous les sens, ouais. Là. Mais en fait ça marche trop, genre vraiment tu peux vraiment la guider ouais. Avec ton corps, en fait, là. Il n'y a pas qu'une sorte de frein. Le... Ça va beaucoup plus loin que le frein, en fait, les sauts. Essaie de faire des nouvelles bosses. De toute façon, un jour je vais tomber, non? Et ça serait bien. Ça serait bien, on serait moins chier dans la vidéo. Comment je fais pour tomber? Faut que j'arrive plus vite encore, non, je vais me faire trop mal. Genre comme dans les jeux vidéo, tu vois, j'essaie sur le... Ouais, tu compresses, t'appuies sur croix longtemps. Voilà. J'essaie de whipper, quoi. Je fais des mini whips. On peut vraiment whipper, je suis sûr, là. Tu peux vraiment... C'est sûr, je peux whipper. Et en fait, je commence à comprendre comment ils font. En fait, la moto, en fait, tu fais ce que tu veux en l'air.
Ouais, c'est tous les gestes qui peuvent. Elle te suit toi en fait. C'est à toi de pas casser les couilles quoi. Ça a l'air d'être droit. Ouais. Je vais mourir les gars. Hey, t'étais dessus là. T'en as marre? Vas-y, on y va, si tu veux. Je me suis coincé un nerf en fait, c'est pour ça que je rigole pas. Ça va? Ça va, j'en ai grave marre de toi, je suis perdu. Et à chaque fois que je vais là-bas, je t'entends là-bas. À chaque fois que je viens là, maintenant je t'entends là-bas. C'est genre 20 minutes que je marche, je fais 35 km. Oh, j'ai plus de pied. Je trouve que t'as fait un 4 de Gex là. Grave. Je vais te refaire le wheeling en descente. C'est trop dur de rester en l'air en bas. Faudrait que je sois un peu plus haute. Hein. Un peu parce qu'il y a un peu trop. Je suis encore propre. Hein. Oh ah. Quand on se concentre un petit peu pour rester en l'air. Le plus flippant, c'est même pas la descente, c'est genre le CRF qui freine pas, tu vois. Le frein inexistant, t'es là, hé, hey, prends pour Jarvis bidule, là. Qui? Jarvis, tu connais pas ce mec, Jarvis? Non. Je te jure, il va partout en roue arrière et tout avec sa crosse. Ouais. Je te jure, c'est énorme. Je connaissais pas. Voilà, la petite journée est terminée. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai kiffé et voilà. Prochaine moto, elle sera un peu plus grosse. La CRF, elle a bien mangé là. J'ai cru que j'allais la casser en deux quand même à des moments. C'était un peu limite, hein, elle faisait des bruits et tout. Prochaine moto, je vais prendre une 250, 4 temps. Évidemment, voilà, j'ai envie de garder mes bras pour l'instant. Voilà, j'y vais échelon par échelon. Et puis, bon, on verra. Hein. Je vous tiens au jus. A très vite dans une prochaine vidéo. Bye.